Salut! Le format de ma dernière vidéo vous a plu, alors j'ai décidé de réitérer l'expérience. Aujourd'hui, on va se concentrer sur mon tableau de vision. Qu'est-ce que c'est? Un tableau de vision, c'est comme dresser une bucket list. C'est mettre en images et en mots toutes nos aspirations, nos rêves et nos envies. C'est pousser le destin, titiller la loi de l'attraction et mettre en application ses manifestations. Tout le monde n'y croit pas ou n'y voit pas grand intérêt, et je ne juge personne, hein. Mais pour moi, c'est devenu un genre de rituel annuel. Au mois de janvier, je prends du temps pour faire le point, pour voir ce que j'ai accompli et réalisé, ainsi que le chemin qu'il me reste à parcourir. Je mets à jour mes ambitions, mes projets, j'en efface certains. Je me prépare au mieux à cette nouvelle année, à la manière de l'appréhender. Je me réaligne, quoi. Ma façon de faire n'est pas la seule et unique qui vaille, non. Mais aujourd'hui, je partage avec vous mon petit rituel. Pour réaliser ce tableau de vision, vous aurez juste besoin d'un cadre, une imprimante et ou des magazines, du papier, des ciseaux, du scotch, ainsi que tout ce qui vous fera plaisir pour la décoration. Masking tape, paillettes, feutres, stickers, laissez parler votre créativité. Tout commence sur Internet, sur Pinterest plus précisément. Je crée un tableau nommé Vision Board que j'inonde d'images inspirantes et motivantes. Une fois que c'est fait, je fais le tri et télécharge celles qui traduisent le mieux mon état d'esprit et mes aspirations. Je les agence sur Word, leur donne différentes tailles et j'imprime le tout. Si vous n'avez pas d'imprimante, optez pour des magazines à découper, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, c'est du collage. J'adore faire ça, je trouve que ça détend. Je peux m'y mettre dans le silence ou bien devant la télé. On termine avec les éléments de déco et le tour est joué. Dernier point, et non des moindres, laissez ce tableau à vue, de sorte que vous puissiez le croiser chaque jour. Ça vous aidera à rester aligné à vos ambitions, à œuvrer chaque jour pour les réaliser, et aussi à faire travailler la loi de l'attraction. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.